Salut, salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On va faire le point sur toutes les astuces que j'aurais voulu connaître quand je me suis lancé dans Durango. Ces astuces vont vraiment t'aider. Il y en a que ben, pour beaucoup que vous allez sans doute ne pas connaître. Même certains joueurs expérimentés ne savent pas forcément. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider, c'est sans prétention. J'espère que ça va vraiment t'aider. Alors, j'ai pris une petite liste où j'ai noté toutes les astuces. Donc, des fois, je baisserai les yeux pour les regarder parce que je t'en ai vraiment fait beaucoup. Il y en a plus d'une dizaine. Donc, on va regarder ça ensemble. Premièrement, monter sa défense. Donc, comme tu peux le voir ici, dans les talents, tu as un talent qui s'appelle défense. Ici, talent super important. Donc, comment faire pour augmenter tout ça? Tu verras que si tu ne le sais pas, ben, au début, ben, tu vas galérer, tu vas pas pouvoir mettre de points. En fait, la défense augmente quand tu fais des esquives. Donc, c'est très simple, tu vas en combat. Dès que le mob il t'attaque, tu as une petite auréole jaune qui est sous ses pieds. Ça veut dire qu'il va t'attaquer. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu esquives. Voilà. Moi, la petite astuce que je vais te donner en plus, c'est de prendre des petits mobs. Tu prends des petits mobs de merde, genre les rats géants, ils sont vraiment pas mal ceux-là. T'en attaques 3, 4 et tu fais que des esquives en boucle. T'enchaînes. Tu peux prendre 4, 5 niveaux en 30 minutes, 1 heure. Hein, c'est mieux que de faire un mob par un mob. Tu prends directement un tas, boum, tu fais des esquives. Même si tu meurs, tu t'en fous. Tu recommences, tac, tac, et tu montes ta défense super rapidement. Voilà. Le temps, c'est de l'argent. Quand tu XP, quand tu récoltes, pense à toujours récolter avec ton pet. Hein, ça paraît con comme ça, mais là, est-ce que j'ai une plante que je peux récolter? Non, malheureusement, tout est en train de pousser ou mort. Mais peu importe l'action que tu feras quand tu récoltes ou quand tu chasses, garde toujours ton pet à côté de toi parce qu'il prend un peu d'XP. C'est con, mais c'est de l'optimisation. Hein. Moi, mon pet a déjà pris une dizaine de niveaux comme ça, juste en étant à côté de moi. Ça mange pas de pain de le sortir pendant que tu farmes, que tu récoltes et il gagne un maximum de points. Ensuite, tu peux sélectionner tous les ingrédients. Donc, tu laisses ton doigt appuyer et ça va tous te les sélectionner normalement. Voilà. Et c'est la même chose pour désélectionner, etc. Donc, tu peux vraiment faire quelque chose. Ben de plus rapide, de plus intuitif que de les prendre un par un ou de faire toute la ligne. Quand tu as beaucoup, beaucoup d'ingrédients, ça peut vraiment t'aider. Petite astuce, voilà, le craft en automatique. La récolte plutôt. Bon, ben j'ai rien à récolter là malheureusement, c'est les joies du direct. Mais tu laisses ton doigt appuyer sur la chose que tu veux récolter. Et au lieu de cliquer plusieurs fois pour récolter 10 trucs, tu laisses ton doigt appuyer et il va récolter tout seul. Voilà, petite astuce pour les personnes qui ne connaissent pas. Chose importante dès le début, souvent on se dit c'est un jeu de survie, je vais jouer solo. C'est pas vraiment une astuce, c'est du bon sens, mais pour l'avoir vécu, faites vous plaisir, rejoignez vite un bon clan. Hein, un clan qui, où les gens vont s'aider, vont s'entraider, parce que les métiers, vous ne pouvez pas tous les faire de toute manière. Donc autant avoir des métiers qui se complètent, où les gens vont t'aider, vont te donner l'outil dont tu as besoin, vont t'aider à crafter, voire à chasser. Et c'est super important. D'ailleurs, nous, on recrute level 40 minimum, gros temps de jeu. Si tu es disponible, n'hésite pas à m'écrire Overgood TV, ou tu me laisses un commentaire. Voilà. Mais on veut que des joueurs qui sont motivés, qui jouent quand même plutôt pas mal en termes de temps, de disponibilité et level 40 minimum. Ok? Autre astuce, les petits carrés jaunes, là, tu as dû en voir. Là, par exemple, lui, il a un carré jaune. Lui, là, il a un petit carré jaune. Ça veut dire que ce sont des affixes, ce sont des stats supplémentaires. On va regarder ça sur mon arme. Alors, attendez, j'ai bugué. Je pose mon téléphone. Voilà. Sur mon arme. On regarde par exemple sur le casque, là, il est plutôt sympa. Hop, tu vois les affixes jaunes, ils sont là. Jaune, très très bon affixe, très très bonne qualité. Et tu peux aussi avoir des verts. Les affixes verts, c'est le top du top. Tu peux en avoir que deux, je crois. Deux affixes verts et tout le reste en jaune. Et si tu as au contraire un affixe gris, comme là sur mon arme, on va regarder.
C'est des malus. Donc là, tu as un malus de létalité. Et là, les petits trucs jaunes sont les bonus. Donc cherche toujours à crafter des choses avec des bonus. Pour ça, il suffit d'augmenter tes compétences en craft. Donc je sais pas si je peux te le trouver là-dessus. Je vais en prendre un au hasard. Collecte, sans doute, peut-être qu'on peut trouver. Je crois que c'est toujours une ligne comme ça où il y a écrit augmenter. Alors attends, je sais pas où c'est. Tac, 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 tac. Où on peut trouver ça? On va la trouver ensemble. Hein. On n'est pas pressé, on prend le temps. C'est pour faire quelque chose de complet pour t'aider. Voilà, c'est là par exemple. Entraînez-vous à fabriquer des armes pour augmenter le taux de réussite. C'est ça, voilà. C'est ce genre de ligne-là que tu mets tes points. Ça va augmenter les chances d'avoir des bonus, tout simplement. Donc ça, c'est une petite astuce qu'il faut bien voir. Même quand vous achetez des objets, privilégiez toujours des objets qui ont des bonus et pas des malus. Et si possible, si vous pouvez avoir des objets avec une ligne verte, c'est encore mieux. Je ne sais pas si on peut le voir sur mes animaux. Donc ils sont, j'ai plusieurs en S, hein, comme tu peux le voir. Et en fait, là, ce sont des lignes vertes. C'est le top du top. C'est un cran au-dessus. Ce qu'il faut que tu vises. OK? Voilà. Ensuite, pensez à bien changer de zone quand vous XP. Souvent, les gens, ils oublient de changer de zone ou ils ont peur de changer de zone. Voilà. Moi, ce que je fais en général, donc là, je me suis TP, on va regarder ça ensemble. Ce que je fais en général, si je suis level 40, je reste dans la zone 40 jusqu'au 45. OK? Si je suis 50, je vais rester dans la zone 50 jusqu'au 55, ainsi de suite. Restez bien dans la bonne zone, n'ayez pas peur de switcher. Si vous mourrez trop vite, augmentez votre armure, achetez une nouvelle armure à la hache, faites-vous la crafter par quelqu'un de votre clan. Hein, c'est d'où l'importance de rejoindre un bon clan. Et allez dans les bonnes zones, farmez les loups. On a vu ensemble que pour XP rapidement, si tu l'as pas vu, t'as mon tuto pour XP rapidement, valait mieux farmer et crafter que de faire les missions. Donc voilà. Mais changez de zone, n'ayez pas peur, ne restez pas toujours dans la même zone, allez toujours dans la bonne zone de votre level. Et puis comme vous pouvez le voir, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec une zone en particulier, parce qu'il y a un type de mob qui vous fait chier, ou le climat, ou vous n'aimez pas la gueule de l'île, vous avez toujours plusieurs îles selon le niveau. Regarde. Là, tu avais la mer glacée, là, tu avais la mer de désert, etc., etc. Ok, tu as le choix, donc profites-en, fais-toi plaisir, visite et farm un max. Tu as des cratères dans chaque zone, hein? Donc je ne sais pas si tu as vu, on peut y aller ensemble rapidement, le temps que ça se connecte. Alors attends, on va aller dans une île que j'ai déjà visitée, île 55. J'ai visité les trois. Voilà, on va y aller. Pendant ce temps-là, le temps que ça charge, on va faire une autre astuce. Oui, l'agent pour la santé. Donc ça, on va l'avoir ensemble. C'est une très très grosse astuce. Les rangs des dinos, on va regarder ça aussi. Donc ouais, bon, on a besoin d'être en partie. Donc on va voir tout ça ensemble. On attend le temps de chargement. Ça, c'est vraiment des petites astuces qui vont vraiment t'aider. Peut-être quand tu en connais quelques-unes, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il y en ait au moins une qui t'aide ou que tu puisses partager la vidéo à quelqu'un qui débute. Voilà, hein, il y en a pour tous les goûts. Là, tu vois ce genre de petit cratère. Tu as des cratères de téléportation. Et pense à bien les activer. Tu cliques sur le petit radar, là, par exemple. Ça va dire, là, il y a un cratère dans cette direction-là. Donc, il te suffit de marcher dans cette direction-là, plus ou moins loin, en fonction de la taille de la flèche, et tu vas tomber dessus. Donc on va le faire en direct. Et l'astuce, c'est que ça te régène ta fatigue. Donc il faut être intelligent. Quand ta fatigue elle commence à trop monter ou qu'elle est haute, tu te dis ben, je vais chercher un cratère, regarde, bim. Et donc là c'est un vortex de téléportation. Et ça va descendre ma barre de fatigue, tout simplement. Donc ça c'est une petite astuce. Alors l'agent pour la santé, est-ce que j'en ai sur moi? Normalement j'en ai toujours, mais comme par hasard je vais pas en avoir. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ben, bravo la famille, bravo, bravo, bravo. Ben, voilà les joies des lives. Tu vas à la hache, tu tapes agent de santé. Je sais pas s'il y en a. On va aller voir ça. Ce serait bien qu'il y en ait.
s'il te plaît, aidez-moi. Voilà, allez, on va en acheter un, 1200 euros, on aura fait plaisir à quelqu'un, enfin 1200 euros. Voilà, l'agent va te permettre de, tu sais, quand tu as ton sang qui, ta santé qui diminue, là, la barre en haut, elle va te permettre de remonter beaucoup plus rapidement ta santé. C'est une grosse astuce, au lieu d'attendre 10 minutes que ta vie elle remonte, voire beaucoup plus, tu peux enchaîner les fights. Alors, je vais me laisser, je vais me faire prendre 2-3 coups. Voilà, ça devrait aller vite avec lui. Comme ça, je te montre en direct. Voilà, mets-moi des bonnes tartes. Allez, voilà, viens, tape papa. Ah, mais tu me fais pas mal, petit coco. Allez, fais, tape, 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 tape. Allez, viens. Voilà, là, ma vie, elle commence un petit peu à descendre. Comme ça, on voit en direct. C'est une grosse astuce qui va te faire gagner vraiment du temps quand tu vas farmer, etc., etc. Mais là, je crois que je suis parti pour bien me défoncer. Ce serait bien qu'il... Attends, je vais enlever la défense, je prendrai plus de dégâts. Donc là, déjà, tu as vu, mes capacités de défense sont augmentées puisque j'ai esquivé. Donc, c'est ce que je te disais avant. On le voit concrètement ensemble. Allez, vas-y, vas-y, tape, tape, bim. On fait descendre un petit peu. On va se le péter en même temps au calme. Voilà, c'est plus la même histoire. Hein. Hop. J'ai même pas envie de te dompter. T'es pas beau, voilà. Il est mort. 2300, allez, rentre chez toi. Là, tu vois, bon, bah, j'ai pas perdu beaucoup de vie, malheureusement. Il n'y a pas grand. Ah, je peux pas perdre beaucoup de vie. Il y a des mammouths que je solote, donc c'est pas ce petit mob-là qui allait me poser problème. Mais donc, tu vois, la petite barre rouge, tu peux la faire recharger plus vite en prenant un agent. Donc là, il n'y a pas beaucoup de points de vie perdus, mais quand tu as énormément. Tu vois, regarde, elle monte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, quand tu as toute la barre à remonter, c'est un gain de temps de folie. Donc, d'abord, tu manges un petit poulet, une petite poule, ou tu remontes ta santé globale. Et après, tu prends l'agent pour que ça remonte d'un coup toute ta vie en entier. Comme là. Est-ce que c'est clair pour toi? J'espère que ça t'a aidé. Petite astuce. Ensuite, les dinos. Tu as plusieurs astuces pour les dinos. Les meilleurs, bon, pour moi, clairement, c'est lui, pour tanker. Lui, il a un petit stun, donc lui, il faut que tu le spé défense. Je te le dis rapidement, mais je pense faire une vidéo dessus après. Lui, tu le spé attaque. Il est où le S? Voilà, le S, il est là. Donc lui, je ne l'ai pas encore spé, il n'a pas encore pris son niveau, il est dans l'enclos. Et lui, tu le spé vitesse. Ce sont les trois meilleurs pets. Gastornis, le Pachy, voilà, là tu as le rang S, c'est le top du top, il n'y a pas mieux. Pour voir les capacités spéciales, tu cliques sur le petit point d'exclamation, la loupe plutôt. Ensuite, point d'exclamation, et là les gens ne savent pas forcément, tu cliques sur le camembert et tu cherches les trois capacités spéciales là, qui sont là, c'est le plus important. Hein. Là tu vois, provocation, le... sort ultime qui va aggro les mobs pendant que je vais les défoncer, c'est il va être ultime. Hein. Donc là, j'ai arrêté un peu de level up tout ça puisque je suis sur un autre perso qui est level 50, hein, comme tu as pu voir dans la précédente vidéo. Donc je vais avoir deux level 60 pour justement cumuler les métiers et faire un truc bien sale pour le jeu. Voilà, dernière petite astuce. Sélectionne vraiment ces trois. Ces trois dinos en priorité. Donc, je lui ai mis un joli petit surnom à lui. Hein. Très charmant, très élégant. Donc, lui pour tanker. Lui pour te déplacer sur la map. Il n'y a pas plus rapide. Et tu verras qu'à haut level, tu vas en avoir besoin sur les grosses îles où la fatigue elle va monter en flèche. Et sur lui. Hein, lui aussi, il met des bons coups de tête. C'est super pratique. Voilà, les trois mobs à prendre en priorité. Lui, si tu veux un peu d'espace de stockage au début pour commencer, c'est sympa. Si t'as les moyens. Voilà. Ça, c'était un petit melting spot d'astuces, de conseils. Je ne crois pas les avoir vus partout. J'espère que ça va t'aider. Il y en aura sans doute d'autres. J'essaie toujours de t'en donner une ou deux pendant mes vidéos. Si ça t'a plu, laisse un commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo, ça peut vraiment aider un maximum de personnes. N'oublie pas, tu peux rejoindre notre clan si tu es motivé, si tu joues régulièrement
Et si tu es level 40 minimum, tu me rajoutes Overgood TV, j'accepte que les level 40. Hein. Donc pas en dessous. C'est pas parce que voilà, c'est que sinon j'accepte trop de monde. Donc voilà, comme ça te permet de cibler en fonction des attentes du clan. Je te dis à bientôt. On est rang 10 dans le clan, donc c'est pas rien. Donc voilà. T'es le bienvenu. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.